Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch and make-up de cette palette. Donc, c'est la dernière Colourpop. J'ai mis le fond rouge, j'ai fait les petits chignons pour faire un peu genre Princesse Leia. Et voilà, puisque c'est la Dark Vador. Elle est trop belle. Voilà. Je suis fan de Star Wars de base, encore plus de bébé Yoda, on est d'accord, mais je voulais compléter ma petite collection. Et les teintes sont plutôt pas mal, hein. Mais vraiment pas mal, hein. Si vous aimez comme moi le dark, je pense que cette palette peut entièrement vous plaire. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque. Avec le fond rouge, ça fait bizarre, c'est la première fois que je le fais. Alors, je sais pas du tout dans quoi je vais partir. J'avais très envie de faire un smoky, mais si je veux utiliser le rouge, le smoky, ça risque d'être un peu tendu du string. Alors, je ferai le smoky pour le réel de ce soir, plutôt. Ce que je vais faire, je vais prendre un pinceau assez fluffy pour faire un creux assez large. Et je vais prendre la teinte la plus claire ici, qui est un taupe grisonnant. On va faire un halo ice avec du rouge. Donc je vais faire déjà mon creux, mon ras de cils, mon coin externe, comme d'habitude. Vous avez l'habitude. Maintenant, je commence toujours mon make-up dans le même sens, j'avoue. Après, si vous avez plus l'habitude d'appliquer d'abord votre fard en paupière et puis dégradé après, faites comme bon vous semble, hein, bien évidemment. Donc là, on va juste marquer un peu le creux avec un creux assez large, bien fumé. Ok, d'accord. Alors, je passe au pinceau plat et je vais prendre cette teinte-là, qui est assez foncée, qui s'effrite d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est... Ça tire sur l'aubergine hyper foncée, presque noire, avec des petites paillettes rouges dedans. Ça a l'air très beau. Donc je vais mettre ça en coin externe. Et bien sûr en coin interne, si on veut faire un halo eyes. Je recolle ce pinceau, là il bouge. J'en mets un peu en ras de cils externe. Bon, les paillettes se voient, c'est ça l'avantage avec les fards Colourpop. C'est que les paillettes se voient, même le fard appliqué. Partie interne, donc ça va quand même être assez dark, hein, mais bon, c'est Dark Vador, donc c'est logique. Si vous voulez encore plus de dark, vous faites le creux avec le plus foncé, là. Alors, je vais déjà essuyer mon pinceau. Je reprends le premier pinceau pour blender. Donc, je vais d'abord commencer ici. Mon ras de cils. Et mes paupières. Mes paupières. Et le bord externe. Bon, pour du très dark, il s'estompe bien. J'ai sur mon pinceau. Je vais tout de suite passer au pinceau propre pour bien peaufiner tout ça. Je garde le même pinceau et du coup, je prends le rouge qui est juste au milieu. Il est trop beau. On va voir ce qu'il donne une fois appliqué. Bon, il y a beaucoup de sous-tons orangés, hein, c'est pas un rouge vif, mais c'est très beau.
Je vais prendre un autre pinceau pour mon ras de cils pour pas faire les taches. Donc je prends la même teinte et je fais mon ras de cils. Ok, alors je vais déjà commencer à dégrader un peu ici et je vais en rajouter au doigt. Bien intensifier. Ça c'est un rouge et noir. Tiens les mains. On dégrade. Alors, je prends un pinceau pour le coin interne et je vais donc mettre cette teinte-ci. Il se prélève pas super bien avec ce pinceau là, donc je sais pas si c'est mon pinceau ou le fin. Je vais essayer avec un autre. C'était bien le pinceau. Je vais en mettre un petit peu juste vraiment sur l'arche de mon sourcil. Éliminer un peu. Ça ne passe pas trop d'arc. Et voilà. Bah, je pense que on va pas en faire de trop non plus hein, parce que c'est déjà très intense. Ben voilà, écoutez, mascara, rouge à lèvres, crayon, je vais mettre du noir et on se retrouve juste après. Voilà le look final avec cette palette. Bref, donc en liner, j'ai mis le liner OPV. Alors, je sais pas la teinte. C'est le Pretty. Non. Si, Pretty. Je sais pas lire Pretty Please, je crois. C'est celui que Manon m'avait offert et celui que j'ai acheté finalement, c'est pas le même, c'est le Olivia que j'ai acheté. On le crash testera bientôt. Et sur les lèvres, j'ai mis mon crayon nude de chez Essence que j'essaie de terminer et le gloss fusil de chez Fenty. Voilà pour les petits détails. Et j'ai mis une petite étoile au milieu de mon front. Ça faisait longtemps que j'avais rien mis là. Et la petite étoile s'imposait, je trouve, vu qu'on est sur Star Wars. Premier jet de cette palette, j'aime beaucoup, c'est totalement mes teintes. Franchement, rien que cette couleur-là, elle est juste sublime. Ce genre de teinte-là, c'est le genre de teinte que j'adore pour la transition. Ici, on a un gris foncé anthracite comme ça, que j'adore. Celui-ci, pour le coin interne, il est supralumineux. Le rouge, il est bien rouge, voilà. Il a beaucoup de sous-tons orangés, mais il est bien rouge. Et on a le prune, l'argenté, et celui-ci qui est un peu bronze, qu'on n'a pas testé. Mais voilà, j'aime beaucoup ce genre de palette. Je crois que plus c'est dark, vous savez maintenant, plus c'est dark, plus j'aime. Et j'aime beaucoup celle-ci. Voilà, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté du coup. Et j'ai hâte de faire mon petit réel pour ce soir, pour vous, hein, avec. Donc voilà ce qui conclut cette semaine de mes nouvelles palettes Colourpop. Donc dites-moi en commentaire laquelle des 5 vous avez préféré. C'est 5 hein, qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, laquelle des 5 vous avez préféré. Moi, je les aime toutes. Vraiment, Colourpop, j'adore cette marque. J'adore leur univers, surtout quand c'est des collabs comme ça. Donc voilà, j'attends une Stitch. Hein. Je veux une collab Stitch. Oh, ma passière se fait la malle, donc vous la voyez. En plus, je l'ai mise à l'envers. Et voilà, ben, c'est tout ce qui conclut notre semaine. Demain, c'est le weekly vlog. Et on se retrouve après en planning normal pour la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous m'encouragez vraiment beaucoup à le faire et ça m'aide beaucoup pour l'algorithme. Vous avez également le petit bouton thanks, enfin merci, si vous voulez participer aux futurs achats pour le contenu de la chaîne. Voilà, vous donnez ce que vous voulez, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà, il est là au cas où, si ça vous intéresse. Et puis c'est tout. Je crois que j'ai rien d'autre à vous dire.
Donc, on se retrouve demain pour le weekly vlog. Et en attendant, moi, j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.